Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition des formations. Les titres, c'est dans une poignée de secondes. Pour le collectif d'avocats défenseurs de l'ex-sénateur Mohamed Ould-Radda, sa détention est une affaire politico-judiciaire dont les contours avaient été clairement annoncés à travers les menaces de poursuite faites par le chef de l'État. L'exécutif algérien connaîtra son premier conseil de ministre qui sera présidé ce mercredi par Abdelaziz Bouteflika, a déclaré son premier ministre lors de la rentrée parlementaire qui a eu lieu ce lundi. En Angola, la commission électorale rejette les accusations irrégularités proférées par l'opposition et décriant la victoire du parti du pouvoir lors des élections présidentielles du 23 août dernier. Bonsoir et merci de nous recevoir encore une fois chez vous pour suivre à notre compagnie la grande édition. Nous ouvrons tout d'abord cette édition par le drame qui vit en ce moment nos concitoyens de la commune de Bogué et ses environs. En effet, selon la source locale concordante ce mardi, près d'une dizaine de personnes auraient trouvé la mort la nuit dernière dans une violente tempête accompagnée de pluie dans les environs de Bogué ce mardi vers 1h du matin, faisant des populations surprises en pleine nuit ont été tirées de leur sommeil. Le spectacle saisissant selon les témoins avec des maisons effondrées, des toitures, des antennes paraboliques emportées dans les airs, les arbres fracassés. Il est à craindre que le bilan ne soit pas provisoire. Le gouverneur du Brakna a rassuré ce matin à travers la presse officielle que les mesures idoines sont en train d'être mises en place pour faire face à ce qui s'apparente à des catastrophes naturelles de grande envergure. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Comme je le disais donc en titre, les avocats composants de collectifs de défense de personnalités poursuivis par la justice mauritanienne pour corruption ont dénoncé l'implication directe des membres et autres auxiliaires du gouvernement avec à leur tête le chef de l'exécutif Oul Abdelaziz concernant le traitement de ce dossier. Le collectif composé de 14 avocats dont entre autres Maître Ahmed Salim Oul Bouhebeni, Jabira Maroufa, Brahim Oul Ebeti, Le Gourmand, Mine Oul Abdoulaye et Maître Fatima Tambaye, seules femmes du groupe, ont au cours d'une conférence de presse ce lundi, jour férié, réaffirmé leur position compte rendu Issa Fofana. L'un des membres du collectif des avocats commence par exhiber les prémices et les présages d'une affaire pénale devenue un imbroglio politico-juridique. Le caractère exclusivement politique de la procédure suivie jusqu'ici met en lumière une regrettable tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins partisanes, comme le laissaient malheureusement présager les déclarations incendiaires des autorités politiques contre le Sénat en tant qu'institution subitement criminalisée et contre les sénateurs accusés de tous les maux pour avoir osé voter contre les amendements constitutionnels. Ces déclarations et les questions posées aux prévenus depuis leur interpellation montrent que l'objectif principal du pouvoir est de décrédibiliser le vote négatif des sénateurs en le vidant de son contenu et de sa portée afin de le réduire en une basse transaction commerciale corruptrice. Ce qui a amené tout droit, selon lui, à une procédure expéditive. Il s'en justifie en illustrant par le contexte. La tentative maladroite des trois juges composant le pôle d'instruction à qui le dossier des prévenus a été transmis, séance tenante dès la fin des auditions par le procureur, de forcer la main des prévenus pour les interroger au fond, malgré les conditions extrêmes de fatigue et de sommeil des mises en cause et de leurs avocats, après une journée entière passée sans interruption dans les couloirs du palais de justice. Débuté au-delà de minuit, au pas de charge, l'instruction des prévenus a d'emblée buté sur de graves violations des règles liées au jour d'ouverture légale de toute procédure d'instruction. La date et l'heure d'ouverture et de poursuite
de cette instruction renvoyée en effet à un jour doublement férié, un vendredi et un jour de fête légale sacrée, la Eid al-Kabir. Il poursuit en mettant en évidence des vices de forme et de probité qui l'ont écorné. Conscient de la gravité de l'illégalité des conditions d'une telle ouverture, les juges d'instruction vont tenter, ni plus ni moins, de faire antidater les procès-verbaux d'ouverture de l'instruction après avoir tenté en vain d'obliger les prévenus de se prononcer sans préparation et dans un état physique déplorable sur le fond du dossier sans même que leur défenseur ait eu accès aux procès-verbaux de police. En conséquence, M. Oulgad, en accord avec ses défenseurs et comme du reste la plupart des autres mises en cause, va refuser de signer des procès-verbaux antidatés et donc nuls et de nul effet. Maître Lo Gourmaud soutient donc que cet acte consacre une fuite en avant de l'autorité judiciaire et une volonté manifeste d'en découdre avec les accusés. Au vu donc de ce qui précède, l'un de ses confrères du collectif nous dévoile leur position à venir et dans la foulée disculpe le collectif d'une quelconque instrumentalisation du dossier. Et nous avons eu l'attitude d'entreprendre toute forme de procédure dans l'intérêt de notre client pour mettre fin à de telles entorses, pour que la régularité soit de règle et pour que aussi la loi soit sauve. Donc, sachez que nous n'avons pas de limites sur ce plan. S'agissant de la politisation de cette affaire, ce sont les autorités qui l'ont politisée. Écoutez ou renvoyez les discours du président de la République, de l'ensemble des ministres, qui expliquaient partout que le Sénat, c'est un centre de corruption. Que les sénateurs sont des corrompus. Alors que pour nous, il n'en est rien. Et pour les sénateurs, il n'en est rien. Le concernant le fameux tir ami de Touéla, il nous répond sans embâge ce qui suit. Notre position est claire. Pour nous, l'innocence de Mohamed Oulgad est établie par la vidéo qui a rapporté les faits qui se sont déroulés. Et nous nous arrêtons là et nous allons bien sûr débattre. Mohamed Oulgad a été entendu sur cette question pour expliquer ce qui s'est passé, tout comme les sous-officiers. Et voilà donc, pour nous, ça n'a pas du tout été escamoté. Nous avons consacré un petit passage à cette question. Et bien sûr, nous allons aussi poursuivre, lors de ce procès, cette question qui sera certainement largement amplifiée. Voilà donc qui augure de belles empoignades et autres jouxes verbales entre l'exécutif, les auxiliaires de justice et les activistes de la société civile. C'est la rentrée des parlementaires algériens ce lundi. En effet, les députés de l'APN et les sénateurs du Conseil de la Nation reprendront le chemin de l'hémicycle. Autant dire que c'est la fin des vacances et c'est après un congé de 2 mois. Cette session parlementaire unique qui durera 10 mois suite à la révision constitutionnelle de 2016 promet certainement d'être très chargée. Les députés fraîchement élus le 4 mai dernier lors des élections législatives qui ont permis, comme prévu, la victoire du FLN et de RND qui dispose ainsi de la majorité absolue de la Chambre basse de commerce, auront fort à faire d'emblée. Le nouveau Premier ministre, Ahmed Ouhaïa, durant la session, a annoncé que le premier conseil de ministres prévu ce mercredi sera présidé par le président. Plus de détails avec Babacar Fall. C'est la rentrée pour les parlementaires algériens. En effet, les députés de l'APN et les sénateurs du Conseil de la Nation ont repris le chemin de l'hémicycle depuis ce lundi. Autant dire que c'est la fin des vacances et c'est après un congé de 2 mois, cette session parlementaire unique regroupant députés et sénateurs va durer 10 mois suite à la révision constitutionnelle de 2016. Elle promet certainement d'être très chargée. Les députés fraîchement élus le 4 mai dernier
lors des élections législatives qui ont permis, comme prévu, la victoire du FLN et du RND, qui disposent ainsi de la majorité absolue à la chambre basse du Parlement. Au renfort à faire, le chef du Parlement, Saïd Bouhaja, a fortement critiqué la demande de certains partis de l'opposition qui appellent à l'application de l'article 102 de la Constitution portant sur la vacance du pouvoir. Des voix de l'intérieur se sont élevées, coïncidant avec la campagne extérieure hostile que connaît notre pays en ce moment. Ces voix font la promotion d'idées de gens dont l'objectif est malsain. Cette appréhension de la politique nationale est déjà consommée, issue d'une lecture erronée, et porte atteinte à la crédibilité de l'exercice politique de ces gens-là. Et manque d'honnêteté. L'Algérie est à la veille d'une échéance électorale et qui a réussi tous ses rendez-vous électoraux est une Algérie forte de par ses institutions et tient sa légitimité du peuple. Quant à la légitimité de la présidence, elle a tranché lors des présidentielles de 2014. Nous voulons réaffirmer que le président de la République se porte bien et il exerce ses prérogatives institutionnelles d'une manière normale. Il est demandé en cette période précise de le soutenir pour défendre la légitimité constitutionnelle et de renforcer l'unité nationale et les institutions de l'État. Abdelkader Ben Salah, chef du Sénat, a également fustigé ceux qui demandent le départ de Boutefliqa. L'ouverture de cette session coïncide avec la rentrée sociale et le retour à l'activité dans les différents secteurs. Et les indicateurs révèlent qu'elle sera prometteuse. Il faut dire que la dénonciation des écarts, la détection des anomalies et l'expression libre des points de vue est la preuve de la bonne santé et de l'intérêt qu'accordent le citoyen et la classe politique et les médias aux affaires publiques. Ainsi, la critique diffère complètement de l'amplification des lacunes, la propagation du désespoir et l'atteinte aux institutions de l'État et ses symboles. Toutes ces voix qui s'élèvent pour déstabiliser les institutions de l'État et porter atteinte à leur légitimité ignorent sciemment la logique constitutionnelle et dont le but est d'affaiblir ces institutions. Par le biais donc de ces deux chambres, le pouvoir législatif a opposé un niet catégorique au départ du président. La carte de navigation est déjà établie. Il s'agit du programme du président de la République clarifié par son discours du 17 février 2017. Selon cette directive, l'Algérie restera un État démocratique et social tenant compte de l'anthropologie culturelle devant concilier modernité et authenticité. Dans les coulisses, les élus donnent leurs sentiments sur le thème du leitmotiv. La loi de finances qu'on prévu, en plus la loi de santé et le code du travail, je pense. Donc c'est un chantier ouvert et je pense qu'il faut qu'on va ouvrir un vrai débat. Il faut une réflexion constructive et je pense que c'est notre devoir d'être à la hauteur de cette nation. La priorité des priorités, d'abord, c'est le plan du gouvernement. Deuxième priorité aussi, c'est le règlement intérieur. Et puis après, il y a tout un chantier de projets de loi, à peu près une vingtaine de projets de loi. Je considère aussi que la loi sanitaire, elle est très importante. Et donc, cette année, ça sera une année pleine d'activités, beaucoup de projets de loi. On attend le plan d'action du gouvernement présenté par le nouveau Premier ministre, M. Ndouye. C'est justement ce plan d'action qui figure en tête du texte et qui prévoit, entre autres projets, le renforcement du pouvoir législatif. Les élus s'en félicitant. Ça sera une force de proposition parce que la nouvelle constitution justement stipule dans ses articles beaucoup d'amendements qui donnent d'abord à l'opposition un rôle à jouer. Non, le grand défi c'est ça, il faut maintenant que cette institution soit une force de proposition. Donc je pense qu'il faut maintenant que le député joue le rôle. Et comme vous l'avez souligné, le premier consul de ministres prévu pour ce mercredi sera exceptionnel, présidé par le président Bouteflika en personne. En Angola, la Commission nationale électorale a débouté ce mardi matin l'opposition qui réclamait un recomptage des voix à l'issue de la présidentielle qui a donné la victoire au parti du pouvoir. Fatim Fall.
Les partis qui dénoncent les résultats sont de mauvaise foi et cherchent à décrédibiliser le processus électoral angolais, a déclaré le président de la CNE, André Da Silva Neto, lors d'une conférence de presse. La CNE rejette catégoriquement leurs critiques, a-t-il ajouté. Tous les outils électroniques utilisés dans le processus électoral ont été vérifiés, a-t-il encore assuré, ajoutant que l'ensemble du processus avait été légal. En effet, quatre partis d'opposition angolais ont exigé dimanche un recomptage des bulletins, jugeant irréguliers les résultats. Les chefs de l'opposition ont affirmé avoir constaté la disparition d'urnes, l'apparition de nouvelles urnes, la disparition de bulletins de vote et la présence illégale d'individus étrangers au processus lors du dépouillement. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, a été crédité par la CNE de 61,1% des suffrages et d'une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement, selon une décompte portant sur 97% des bureaux de vote. Les partis d'opposition UNITA et CASA CE ont recueilli respectivement 26% et 9% des voix. Les résultats définitifs de la CNE doivent être publiés ce mercredi 6 septembre. La tête de liste du MPLA, João Lourenço, ex-ministre de la Défense, serait ainsi investi président le 25 septembre en remplacement du président José Eduardo dos Santos, âgé de 75 ans et à la santé fragile. Ce dernier dirige le pays d'une main de fer depuis 38 ans. Son successeur aura pour principale mission de faire sortir l'Angola, puissance pétrolière, de la crise dans laquelle il est plongé depuis 3 ans à cause de la chute des cours de l'or noir. Lors d'une conférence de presse toujours ce mardi matin, Raila Odinga a rejeté la date de scrutin. Arrêté, l'opposant dénonce un manque de consultation de la part de la commission électorale et il pose ses conditions précisions à Bississoro. Les Kenyans retourneront aux urnes le 17 octobre 2017 avec comme seul candidat pour cette présidentielle Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. Cette annonce de la commission électorale fait suite à l'annulation des premières élections par la Cour suprême vendredi dernier. Mais déjà, la décision fait polémique. Lors d'une conférence de presse ce mardi matin, Raila Odinga a rejeté la date du scrutin. L'opposant dénonce un manque de consultation de la part de la commission électorale et il pose ses conditions. Nous ne participerons pas aux élections du 17 octobre sans des garanties légales et constitutionnelles, a déclaré Raila Odinga. L'opposant rejette la décision de la commission électorale. D'abord, ce n'est pas un deuxième tour, dit Raila Odinga, mais une nouvelle élection. Elle doit donc être ouverte à tous les candidats. L'opposition de ne pas avoir, comme elle l'avait promis, organisé des consultations avec les différentes parties avant d'annoncer une date. Surtout, c'est la légitimité même de l'IEBC qui est une fois de plus mise en cause ce matin par Raila Odinga. Nous savons ce qui s'est passé lors des dernières élections. Nous savons ce que la commission a fait et nous savons que si nous recommençons de la même manière, les résultats seront les mêmes, dit-il. Il demande donc le départ de certains agents de la commission, dont Ezra Chiloba, le directeur, mais également un audit complet du système informatique de la commission électorale. L'opposition n'a plus confiance au kit électronique d'identification des votants et de transmission des résultats utilisés le 8 août et attaque la compagnie française Safran qui les a fournis. En tout cas, selon Raila Odinga, rien ne presse. Les élections pourraient se tenir le 24 ou le 31 octobre, dit-il, tout en respectant le délai de 60 jours stipulé par la Constitution. Pour nous, le plus important, c'est une bonne préparation de ces élections, conclut-il.
Depuis la vague d'attentats de Burkina Faso a subi, le pays a décidé de renforcer son dispositif sécuritaire sur les principales avenues de la capitale. Les forces de défense et de sécurité multiplient les opérations de contrôle de route dans la capitale. Le ministre en charge de la sécurité a fait plus de précisions lors de ce point de presse sur le sujet avec Mohamed Chenel. Pays sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest, jusque-là épargné par les attaques et enlèvements d'Occidentaux. Le Burkina est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord du pays, frontalier du Mali et du Niger. Le Burkina a donc mis en place un nouveau dispositif sécuritaire dans la capitale Ouagadougou, théâtre des attaques terroristes qui ont fait 19 morts en mi-août. A annoncé lundi son ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Vous allez rencontrer des gens qui risquent de vous questionner. Et c'est pour ça qu'on demande ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir, aller loin, durer. Il faut avoir vos papiers parce qu'il y a des patrouilles pour tous ceux qui sont amenés à bouger. Et quelque part, il faut avoir des papiers. Et donc, portez vos papiers sur vous. Dites à ceux qui ne sont pas là qu'en sortant, il faut porter ces papiers. Pour rappel, le 13 août dernier, cette artère principale de la capitale burkinabé a été la cible d'une attaque terroriste. Deux assaillants ayant ouvert le feu sur un café-restaurant halal, tuant 19 personnes et en blessant 21 autres. En janvier 2016, une précédente attaque qui avait visé le restaurant Cappuccino, l'hôtel Splendide, l'hôtel Yibi et le café Taxi Bourse, également situé sur l'avenue Kouaouin Gourma, avait fait 30 morts et 71 blessés. Et vous verrez, ce n'est pas des mesures d'ordre ponctuel, c'est des mesures pérennes. Et vous pouvez le constater de nuit comme de jour. Voilà. Et tout cela pour en pensant que en faisant de cette façon là nous allons minimiser beaucoup le risque. Beaucoup d'améliorations vont être faites sur cette voie avec le patronat donc de la mairie de Ouagadougou, et tout cela je crois que dans les mois à venir vous verrez de visu toutes ces améliorations qui vont faire que au lieu de fuir Kwame Nkrumah, on va accourir vers Kwame Nkrumah parce qu'il fait bon vivre. C'est vrai, nous avons déploré des morts, mais comme par ailleurs, nous n'allons pas nous laisser abattre par cela. Nous allons faire comme les autres qui ont su résister, s'organiser et apporter la riposte nécessaire, conclut le ministre Compaoré sans plus de précision sur le dispositif sécuritaire. Devant un parterre composé de riverains de l'avenue, de certains opérateurs économiques et des acteurs de la presse. C'est donc sur ce suspens que prend fin cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Pour le collectif d'avocats défenseurs de l'ex-sénateur Mohamed Oulrada, sa détention est une affaire politico-judiciaire dont les contours avaient été clairement annoncés à travers les menaces de poursuite faites par le chef de l'État. L'exécutif algérien connaîtra son premier conseil de ministres qui sera présidé ce mercredi par Abdelaziz Bouteflika, a déclaré son premier ministre lors de la rentrée parlementaire qui a eu lieu ce lundi. En Angola, la commission électorale rejette les accusations d'irrégularités proférées par l'opposition et décriant la victoire du parti du pouvoir lors des élections présidentielles du 23 août dernier. Nous voici au terme de cette édition que j'ai pris plaisir de vous présenter. Merci de votre aimable attention et à bientôt sur votre chaîne préférée pour d'autres informations. Au revoir.